un jeune garçon. Bientôt ce sera un homme. Car aujourd'hui, il part dans la forêt, tout seul, pour la première fois. Il va à la chasse à l'ours. Il doit rencontrer l'ours, il doit le chasser, il doit rapporter sa peau, sa viande pour nourrir le village. Il doit se montrer digne de la confiance que tout le village a placée en lui, en sa capacité à chasser. Alors comme l'hiver commence à s'installer, il doit se dépêcher. Il fouine, il fouille, il renifle, il scrute, il écoute, regarde, observe tous les signes de la forêt qui pourraient lui montrer la présence de l'ours. Et il les voit, ces signes. Il voit les traces laissées par l'ours, ce qu'il a mangé, là où il s'est gratté, frotté, les odeurs qu'il laisse. Il voit tout ça, mais jamais il ne voit l'ours. C'est comme si l'animal jouait à cache-cache avec lui. Alors il le suit. Il suit les signes que l'ours lui laisse. Il les suit jour après jour. Il passe des nuits entières dans la forêt, dans la nature. Il ne se décourage pas, car un chasseur ne le fait pas. Un chasseur suit toujours sa trace. Ça dure tellement longtemps qu'il suit l'ours sans jamais le voir, jusqu'au cœur de l'hiver. Déjà la neige commence à tomber, le froid s'installe, et l'enfant comprend petit à petit, comprend qu'il ne peut plus rentrer chez lui. Il est condamné à suivre l'ours. Et il ne sait pas du tout ce qui va suivre ensuite. Un jour, enfin, il le voit. Et l'ours ne se sauve pas, au contraire, il lui fait face. L'ours le regarde. Dans ses yeux, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de crainte non plus. Pourtant, l'enfant, quand il le fixe, fait un geste très lent vers son carquois, prend une flèche, bande tout aussi lentement son arc, mais il ne vise pas l'ours. Pendant qu'il fait ces gestes-là, il réfléchit. S'il tue l'ours, maintenant, l'hiver est trop installé. Il ne pourra pas le ramener. Il ne pourra pas faire quoi que ce soit avec son corps. S'il le laisse en vie, il ne pourra même pas le manger. Dans les deux cas, l'enfant était piégé par l'hiver. L'enfant savait que rien de bon ne l'attendait. Et pourtant, l'ours n'en profitait pas. Il le laissa réfléchir, puis, d'un air débonnaire, lui tourna le dos, alla brouter un petit peu d'herbe qui dépassait encore de la neige, puis rentra dans sa tanière pour dormir, pour passer l'hiver. Et l'enfant comprit. Il n'avait plus qu'une seule chose à faire, lui aussi, c'était de brouter la même herbe et d'aller dormir dans la tanière avec l'ours. C'est ce qu'il a fait. Quand il est rentré dans la caverne, l'ours dormait déjà. Il s'est installé tout contre lui pour avoir chaud. Et l'herbe qu'il venait de manger l'a fait plonger dans un profond sommeil. À peine a-t-il eu le temps de regarder au-dessus de sa tête. La grotte lui offrait un drôle de ciel, un ciel sans étoiles et comme quelques chauves-souris volaient au-dessus de lui, il se disait c'est elle, c'est sûrement elle, les voleuses d'étoiles. Et il s'est endormi comme ça, en regardant au-dessus de sa tête le doux balai des voleuses d'astres. L'enfant dormit, dormit des jours et des nuits, des semaines et finalement quelques mois. Parfois il rêvait, parfois il faisait des cauchemars. Il avait besoin régulièrement de bouger, de changer de position.
Alors, sans s'en rendre compte, il embrassa l'ours comme s'il s'agissait d'un énorme doudou et parfois l'ours l'embrassait, le plaçait lui aussi sous une de ses pattes. Et l'enfant se reposa, dormit sous l'effet de l'herbe de l'ours, dormit tout l'hiver avec lui. Quand revint le printemps, il se réveilla. L'ours déjà était sorti. La neige commençait à fondre. Il vit l'ours à l'entrée de la tanière brouter une herbe. Une herbe qui réveille, peut-être. Et puis l'ours se tourna vers l'enfant. Et puis, sans aucun signe de la tête, il repartit. Et il disparut. Et l'enfant n'eut plus aucune trace de lui, ni aucune odeur. Mais l'enfant n'avait plus le cœur à chasser l'ours. Il avait le cœur à rentrer, à revoir ses parents, à revoir sa famille, à revoir son village. Alors l'enfant à son tour est parti. Il a marché, marché dans le printemps, marché dans la forêt pour rentrer chez lui. Ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Quand il est arrivé dans son village, on ne l'attendait plus, on pensait qu'il était mort. C'était comme ça dans l'ordre des choses, les mauvais chasseurs, on les perdait. Sa famille était si heureuse, et tous furent si étonnés par son histoire, que désormais on décida dans ce village d'Amérique du Nord que pour devenir un homme, ce n'était plus la peine d'aller chasser l'ours. Car l'ours était devenu un protecteur des enfants. D'ailleurs, dans ce village, il suffisait pour devenir un grand d'aller dans la forêt, de trouver l'ours et de soutenir son regard sans avoir peur. Fabriquer des petites figurines en bois, en paille, toutes avaient une forme d'ours. On les posait dans les lits des nouveau-nés pour que l'ours veille sur ses enfants, comme il avait veillé jadis sur celui qui était parti le chasser, le dernier parmi le peuple. Cette pratique-là s'est répandue un peu partout dans le monde. Et encore aujourd'hui, on offre au nouveau-né un ours, pas de taille réelle, hein, pas forcément en bois, parfois en paille, plus souvent un ours très doux, en peluche. Vous pensiez que c'était un cadeau comme ça? Mais sachez que derrière n'importe quel cadeau se cache une histoire. Une histoire qu'on ne raconte qu'à Noël. C'est un secret.